Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon pain blanc. Alors c'est un pain que j'ai dans ma collection depuis presque 3 ans. Aujourd'hui je vous le présente parce que je ne vous l'avais jamais encore montré et puis c'est l'occasion pour moi de le déligaturer parce qu'il a été mis en forme lors d'un atelier en janvier avec Alexandre Escudero pour le mettre en forme, donc entièrement ligaturé et mis en place de tous les plateaux et il y a certaines branches qui ont été sélectionnées. Donc c'est un pain blanc du Japon, on l'appelle aussi Goyo Matsu ou Pinus parviflora. Il y a aussi le terme Pinus pentaphylla qui est utilisé parce que c'est un pain qui forme des paquets de 5 aiguilles. Alors depuis que je l'ai acquis, il a quand même bien changé. Quand je l'ai acquis, ce pain en fait avait pas été travaillé, il avait des longues branches qui remontaient, on peut les voir sur les photos, et ça m'a donné l'occasion de faire ma première mise en forme au fil de cuivre qui m'a permis de retravailler entièrement l'arbre. Comme c'était une première fois, c'était assez compliqué, le fil de cuivre c'est difficile et j'ai passé beaucoup de temps à mettre en forme cet arbre. Donc on voit aussi que le résultat est pas super, on a des plateaux qui sont très plats, très resserrés, même la première branche elle avait été formée très droite. Et puis quand on regardait de dessus, on voyait qu'en fait le plateau était très restreint, très resserré sur lui-même. Mais c'est un arbre assez important pour moi parce que j'ai pu faire ma première exposition de club avec cet arbre. Alors c'est un arbre qui m'a fait beaucoup de sac à pollen. On voit sur les images des espèces de petits cônes violets. Bon, c'est joli, on dirait de la lavande. Ça ressort bien sur l'arbre avec le feuillage vert. Donc quand on a ces sacs à pollen, en fait je les laisse se développer et puis quand ça atteint une certaine longueur, on peut les enlever très facilement à la main. Ça génère un peu de poussière jaune. Alors ce qui est amusant, c'est que année après année, ces sacs à pollen ont fini par complètement disparaître. Cette année, j'en ai eu aucun. Alors souvent, on associe les sacs à pollen au stress de l'arbre. Donc moi, je prends ça comme une bonne nouvelle que les sacs à pollen ont disparu. Ça veut dire que l'arbre, du coup, est en meilleure santé, qu'il est mieux cultivé. Et ça, c'est une bonne chose, sachant que je sais pas réellement la signification des sacs à pollen, le pourquoi du comment. Ça reste encore un mystère, mais si on peut ne pas en avoir, c'est mieux, parce que le long du sac à pollen, vous n'allez pas avoir d'aiguilles. Vous allez avoir des rameaux nus avec ensuite des aiguilles. Et donc c'est pas ce qu'on cherche à avoir quand on veut densifier et compacter le pain. Alors les pains blancs, on dit souvent que c'est des pains faibles, contrairement aux pains forts comme le pain noir, et c'est la raison pour laquelle souvent on les trouve greffés sur des pains noirs. C'est le cas sur le mien, c'est pas un vrai pain blanc, c'est un pain blanc qui est greffé sur une base de pain noir. On peut voir le point de greffe ici, qui je trouve est très bien fait. On voit quand même la différence avec l'écorce craquelée du pain noir qui est magnifique, et puis l'écorce un peu plus lisse du pain blanc au-dessus. Je pense vraiment qu'avec le temps, ça va faire une transition qui sera bien naturelle. Après, c'est pas quelque chose de choquant. Par contre, les vrais pains blancs, je pense que c'est un peu plus dur de les trouver, et puis ça va coûter assez cher. Et du coup, le fait qu'il soit greffé sur une base de pain noir, ça va lui donner un peu plus de force et de vigueur. Donc comme j'avais dit, c'est un pain qui produit des paquets de 5 aiguilles. Ces aiguilles, elles sont assez douces comparé à un pain noir ou un pain sylvestre où ça pique quand c'est en forme. Là, c'est un peu plus doux. Ça se tient, hein, c'est dur, mais le bout est arrondi et quand on touche, c'est assez doux, c'est agréable à toucher. Il y a une couleur qui est verte, presque bleutée, c'est ça que je trouve super, ça ressort vraiment. Et puis quand il pleut, là on voit vraiment la couleur qui ressort, je trouve ça super joli. Alors quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que chaque année, il va se débarrasser des anciennes aiguilles. Donc là, vous avez plein d'aiguilles qui vont devenir marron. C'est celles qui sont en amont de la branche, donc c'est les anciennes aiguilles, et elles vont tomber toutes seules. C'est en automne, là, c'est à cette époque-là où on a beaucoup de postes. Mon pain fait des aiguilles marron, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de mourir. Il y a toujours ces questions-là sur Facebook avec les aiguilles marron des pains blancs en automne. C'est tout à fait normal, et c'est vrai que la première fois qu'on le voit, on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas grave si les aiguilles marron sont en amont de la branche. Par contre, si c'est les aiguilles au bout, là, c'est inquiétant. Donc ça, ces aiguilles marron, elles tombent naturellement avec le vent. On peut aussi les enlever. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je les enlève assez rapidement pour maximiser la pénétration de la lumière dans les branches. C'est des aiguilles de toute façon qui servent à rien, qui vont finir par tomber. Donc autant les enlever. C'est pas un désaiguillage parce que là, je vais pas enlever des aiguilles qui servent à la photosynthèse de l'arbre. Là, je retire des aiguilles qui sont plus fonctionnelles. Donc chaque année, les anciennes aiguilles deviennent marron et moi, je passe un moment à tout nettoyer pour avoir uniquement les aiguilles vertes. Et je ne fais pas d'ablation de chandelle ou de pincement de chandelle. Ça, c'est plus pour les autres pains. On m'a jamais conseillé de le faire et j'avoue qu'il n'y en a pas vraiment besoin parce que je remarque que c'est un pain qui rebourgeonne en arrière très rapidement. On peut voir la photo avant avec le plateau qui était assez dénudé et aujourd'hui, ça s'est densifié seulement en une année. Le bourgeonnement en arrière, moi, je l'obtiens naturellement grâce à la pénétration de la lumière au sein de l'arbre. Donc là, il y a deux manières de le faire. Déjà, l'exposer plein soleil. C'est pas un pain que je vais mettre à l'ombre. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser la ligature pour mettre en forme des plateaux qui soient ouverts à la lumière. Et avec ces deux choses, le soleil va bien pénétrer au sein des branches et je constate des émissions de bourgeons. Il y a une autre spécificité aussi, c'est que c'est un pain qui produit une seule pousse par an,
contrairement au pin noir qui va pouvoir faire une deuxième pousse dans l'année si on fait par exemple le mekiri, etc. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pas conseillé de faire l'abation partielle ou totale de la chandelle. Donc si on veut se débarrasser d'un pompon, il va falloir couper la branche en vérifiant bien qu'il y a des bourgeons en arrière qui vont se développer à la place. Donc au niveau des travaux, c'est tout ce que je fais. De la ligature pour bien former les plateaux, de l'aiguillage d'automne avec les aiguilles marron, j'engraisse à l'organique, comme je le montre dans cette vidéo, et éventuellement pendant la mise en forme, la sélection des branches. Donc les mises en forme, moi je les fais toujours de novembre à février, pendant la période de repos. Le substrat, c'est un mélange de pumice et d'akadama, donc c'est toujours le même substrat d'origine depuis mon achat. Il n'a pas été rempoté depuis, donc là ça doit faire au moins 5 ans qu'il est dans son pot et je pense qu'il aura le droit à un rempotage l'année prochaine. Parce que ça commence à être compact hein, quand j'arrose, je vois que l'eau reste en surface assez longtemps avant d'être absorbée. Donc là je pense que la motte est bien remplie. Au niveau du substrat actuel, c'est du 80% pumice, 20% akadama. La pumice c'est vraiment pour le drainage et puis les 20% d'akadama pour retenir un peu l'eau et les nutriments. Alors pourquoi on utilise un substrat aussi drainant? En me renseignant, j'ai appris que ces pins vivaient sur les îles japonaises entre 1300 et 1800 mètres d'altitude. Et du coup, ils ont beaucoup d'humidité au feuillage. Par contre, ils poussent généralement sur des plans inclinés, donc l'eau ne peut pas stagner. On comprend vite qu'il y a une forte hygrométrie sur le feuillage et peu d'eau sur les racines. Et ça permet de comprendre la manière d'arroser. En fait, quand j'arrose, j'essaie d'imiter au mieux le milieu naturel où il vit. Donc du soleil, beaucoup d'humidité sur le feuillage, donc là en fait j'arrose énormément le feuillage, c'est un vrai bassinage, et puis un peu d'arrosage aux racines, mais très peu. Quand on est au printemps ou en été comme en ce moment, je fais deux arrosages. En fait le matin je vais juste bassiner le feuillage, et le soir je fais l'arrosage sur la motte et le feuillage. Et en faisant ça année après année, j'ai vu que vraiment il a pris de la vigueur, les aiguilles sont devenues plus dures, et je pense que c'est vraiment là le secret de la culture des pins blancs, c'est de garder les racines au sec et de maintenir le feuillage dans l'humidité. Et d'ailleurs pour maintenir un peu plus l'humidité sur l'étagère que j'ai mise en place, j'ai mis une petite coupelle avec de la pouzzolane et de la mousse que j'ai cultivée dessus, et ça vient apporter un peu d'humidité par le bas. Et puis l'autre chose que je fais, c'est que quand on est dans les journées où il fait plus de 30 degrés, comme c'est un pot de finition, j'utilise en fait un linge que je viens placer autour du pot, je l'entoure comme ça et je l'humidifie. Comme ça, ça évite que la température augmente énormément dans le pot. D'ailleurs, par rapport à la taille des aiguilles, il fait naturellement des aiguilles assez petites. C'est très bien pour les bonsaïs. Moi, je pense que pour jouer sur la taille des aiguilles, il n'y a pas 150 possibilités. On joue sur l'engrais, on le décale dans l'année, donc on n'en reste pas au printemps, on en reste plutôt en automne. Et puis sur l'arrosage, quoi. Plus vous allez arroser, plus les aiguilles vont grandir, donc c'est là-dessus qu'on peut jouer. Et puis il y a l'exposition en plein soleil aussi qui est importante. Donc comme je l'avais dit, il a été mis en forme en janvier. On peut voir d'ailleurs qu'il y a de la ligature à la fois de cuivre et d'aluminium. En fait, c'est que pendant l'atelier, j'avais plus du tout de fil de cuivre de 1 mm. Donc je me suis dépanné en utilisant de l'aluminium. Mais bon, au moins ça a maintenu les branches. Et aujourd'hui, je vais déligaturer l'arbre. Donc pour ça, j'ai juste une pince à couper le fil et éventuellement une pince à jean pour dérouler le fil dans certains cas. Donc là, ça fait 6 mois que le fil a été posé. Bah, je commence à constater que la ligature commence à marquer, donc je vais pouvoir le déligaturer. Au niveau de la mise en forme, l'idée c'était de compacter l'arbre, donc de réduire la première branche et de faire, notamment sur la première branche, des plateaux beaucoup plus ouverts et de se servir aussi des ramifications secondaires pour faire une épaisseur sur le plateau. Donc là on peut le constater ici, là d'ailleurs cette première branche elle a été divisée en deux plateaux, il y en a un qui est plus bas que l'autre et puis ils sont plus ouverts. On voit aussi la forme vers l'avant de la tête, ça on y arrive en fait en créant des plateaux à l'arrière. Il y a quand même pas mal de branches de profondeur à plusieurs niveaux. Et puis la branche que je trouve importante, c'est celle-ci qui va directement vers l'avant. Et puis ça continue à tourner comme ça en spirale jusqu'à la tête. Alors on a aussi utilisé des haubans pour ramener les branches. Là, quand on a une branche comme ça de ce diamètre sur un pin blanc, on ne peut pas la plier seulement avec de la ligature. C'est mieux de la ligaturer pour maintenir la branche et puis de se servir des haubans bien placés pour faire la torsion. Au niveau de la mise en place, je trouve que c'est un pin qui est moins flexible que par exemple le pin sylvestre. À partir d'un certain diamètre, ça devient assez dur et ça devient assez cassant. C'est très flexible sur le bout des branches, on peut vraiment bien placer les plateaux, mais au niveau des branches un peu plus vieilles, c'est hyper compliqué de les tendre. Voilà, c'est à peu près tout sur ce pin blanc. Je vais déligaturer et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, c'est bon, j'ai enfin terminé à déligaturer. Franchement, le déligaturage, c'est ce que je déteste le plus en bonsaï. Mais bon, il faut le faire. Là où je suis content, c'est que finalement, le avant-après déligature, bah, ça n'a pas beaucoup changé,
Donc le fil a été efficace et je l'ai vraiment enlevé au bon moment. Il ne faut pas que ça se mette à se relever comme ça naturellement. Donc éventuellement, je pourrais remettre en place des haubans pour replacer les plateaux au bon niveau. Mais là, je trouve que l'ensemble est bien resté en place. Donc ça, c'est une bonne chose. J'en profite aussi pour vous montrer le nebari parce que je vous avais pas montré ça au début. C'est la base du pain noir et il y a beaucoup de racines en fait apparentes. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et à cet endroit-là, j'ai inséré une petite pierre noire parce qu'en fait, il y avait un trou. Et au fur et à mesure, la pierre va être englobée dans les racines et on verra plus rien. Donc comme je l'ai dit au début, je pense que la prochaine étape, ce sera un rempotage. Je vais garder la même taille de pot parce que je vais garder la même taille d'arbre et je trouve qu'il lui va super bien, donc je vais pas changer le pot. Là, on est fin juin. Je laisse à la même exposition, là, en plein été, et je vais faire très attention à faire 2 arrosages par jour. Donc je ferai peut-être une vidéo en automne pour montrer le nettoyage des aiguilles marrons. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc comme vous savez, c'est la dernière vidéo avant les grandes vacances. Je vais faire une pause pendant juillet-août. Et je vais sûrement reprendre les vidéos en septembre, octobre. J'ai aussi un autre projet qui va se mettre en parallèle, qui va me prendre du temps, donc je suis pas sûr de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine à la rentrée. On verra comment ça se passe. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances. Faites très attention à vos arbres, à l'arrosage, à l'exposition. Placez les arbres fragiles, les feuillus à l'ombre. Protégez vos pots pour éviter que ça chauffe trop à l'intérieur. Faites 2 à 3 arrosages par jour. Si vous n'êtes pas là, faites-le faire par quelqu'un, un voisin. J'ai mon voisin à qui j'ai fait la formation complète d'arrosage. Donc il faut absolument qu'il y ait une intervention humaine. Je trouve que c'est mieux quand c'est une intervention humaine plutôt qu'un arrosage automatique. Parce que sur cette période-là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur sur l'arrosage. En tout cas, on se retrouve à la rentrée pour un prochain sujet. Profitez de vos vacances pour ceux qui en ont et faites du bonsaï. C'est un de mes premiers pins avec le pin sinuestre. On l'appelle aussi Goyomatsu. Ça, c'est pas très important. Tout ce qui est ligature, taille, rempotage. Bon, on laisse tomber. Qu'est-ce que je voulais dire En fait, je sais plus où j'en suis là. Je dis quoi là, la première chose. En tout cas, on se retrouve à la rentrée. Et faites du bonsaï.